Avoir un bon logement pas trop cher, c'est plein de compromis, stressant à faire. Au bain tu te loges, au bain tu manges. C'est que les bons logements sont chers. Ils sont rares, mais j'en ai un logement. C'est important pour moi. C'est bruyant, ça m'empêche de dormir. C'est humide et froid. Il y a de la moisissure dans les bas des murs. Ça affecte ma santé, c'est certain. On fait de l'asthme. Les fenêtres sont dures à ouvrir quand elles sont tout pleines de moisissure. C'est que les loyers pas chers sont lamentables. Si on demande des rénovations, les loyers vont augmenter. Il n'y a pas d'autre choix. À chaque année, je l'attends le mois de mars. Je suis stressée et ça augmente à toutes les années. C'est assez dur de trouver un logement quand on est pauvre. Les propriétaires ont des préjugés. Tu es obligé de mentir sur ta situation et tu fais tout pour pas avoir besoin de te retrouver à la régie. Ils ne t'écoutent pas. Ils écoutent le propriétaire, mais toi, ils t'écoutent pas. Moi, j'ai déjà été expulsée de mon logement en plein mois de décembre. Il a fallu que je dorme dans une tente roulotte pour un petit bout, au moins 3 mois. Mais l'expulsion, ça n'arrive pas aux riches. Ça arrive juste aux pauvres. Si ça l'arrive, il faut se défendre et se faire dédommager. Faire respecter leurs droits, mais les plus démunis, on se fait tasser, on se fait déplacer. C'est sûr que ça affecte l'estime de soi. Il y a des solutions quand même, écologie. Ça fait économiser, puis on pourrait récupérer les terrains vagues et les immeubles abandonnés et en faire du logement social. Nos idées devraient être écoutées. Mais les taxes augmentent et on se retrouve avec des restaurants qui vendent des cafés à 5 $. Je peux pas participer, moi. Je peux rester dans les quartiers, pas à ce prix-là. C'est comme si c'était les riches qui prenaient le contrôle. En contexte de pauvreté, bien s'alimenter, c'est difficile. La nourriture est dispendieuse, rare, et les dons alimentaires, des fois, sont avariés ou passés date, donc présence de moisissures. C'est dégoûtant de les manger. Le manque de nourriture, la malnutrition, égale à une mauvaise santé. Ce n'est pas tout le monde qui a de l'information sur les ressources alimentaires accessibles. En banlieue, les ressources alimentaires sont moins connues et souvent, il n'y en a pas où ils ferment. Il y a de plus en plus de restaurants branchés, très dispendieux. Nous passons au-devant et savons que nous n'irons jamais là. C'est la haute classe qui s'y installe de plus en plus. C'est important de penser à la pauvreté, ses conséquences. Malgré le gaspillage alimentaire, les dons au parc alimentaire diminuent. Les épiceries écoulent leurs aliments à rabais au lieu de le donner. Ça provoque de la compétition dans les banques alimentaires. Ça apporte des faux pauvres parmi les gens qui viennent chercher de la nourriture. En banlieue, la circulation des piétons et des cyclistes, c'est difficile. À 3 ou 4 autos par famille, tout est pensé pour l'auto. Et nous, les piétons et les cyclistes, on n'est pas le bienvenu nulle part. Il y a du trafic constant. Ça va vite et des fois, c'est impossible de traverser. On risque de se faire frapper ou on manque l'autobus qui passe juste en face. Le risque d'accident est réel et ça peut faire peur. On n'est pas encouragé à prendre le transport en commun ou à adopter des modes de déplacement sains parce qu'il n'y a physiquement pas d'espace pour nous. Les trottoirs ne sont pas déneigés. On déneige les rues pour les autos, par exemple.
Les passages piétons sont inaccessibles, personne n'arrête, il manque de courtoisie chez les automobilistes. Et il manque réellement de cohérence entre les circuits cyclistes et piétons. Le syndrome de la fin abrupte de trottoir ou de piste cyclable, on connaît ça. On se ramasse à marcher dans le banc de neige ou dans la garnotte et à se faire arroser par les autos. On a froid aux pieds, puis c'est pas toujours ceux qui sont pris pour marcher qui ont les meilleures bottes d'hiver. Il manque une vision globale et inclusive dans le développement de notre ville. En banlieue, il faut des fois faire des grands détours parce que les autoroutes coupent le chemin des cyclistes ou des marcheurs. C'est souvent plus direct en auto, mais c'est pas tout le monde qui a les moyens d'avoir une auto. C'est sûr que quelqu'un qui a de l'argent a le choix de son moyen de transport et ainsi peut éviter tous ces problèmes. Ce serait important que les cyclistes et les piétons d'un secteur soient plus consultés et écoutés et qu'on se rappelle que la marche et le vélo sont bons pour la santé et l'environnement. Pour réduire la pollution, c'est important de respecter la terre, faire avoir du respect pour tout le monde. Les quartiers ne sont pas tous pareils. Il y en a qui ont plus de pollution. Dans certains quartiers, c'est mal planifié. Il y a trop de béton. On coupe trop les arbres. S'il n'y a plus d'arbres, on va avoir de la misère à respirer, ainsi que les animaux aussi. Déjà, on respire mal. Il y en a qui font glace à coup du smog et des gaz en l'air. Tout le monde continue à manger son gros steak. Il y a des déchets partout, il y a des trous, c'est laite. Moi, ça me rend très triste et ça m'agresse très fort. Les déchets, ça peut être dangereux, on peut se blesser. Pour les enfants aussi. C'est pas partout pareil. Dans mon appartement, il y a beaucoup de bruit et j'ai la difficulté à dormir. Je suis très fatiguée de tout cela. La pollution, ça nous empêche de voir à la nature. Je pense qu'il faut le dire. Il faut montrer que c'est très laid. Il faut faire plus de recyclage. Surtout pour les animaux et les oiseaux.